Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Chloé et je vais vous présenter ma spé. Mais pour commencer, je vais vous raconter une histoire. Mon histoire. Depuis que je suis toute petite, je suis super curieuse et j'arrêtais pas de poser des questions à mes parents, du genre « Papa, comment on fait des bébés ? Maman, mais pourquoi le ciel, il est bleu ?» Enfin bref, vous voyez le genre. Et puis un jour, je me suis intéressée à ce qu'il y avait dans mon petit déjeuner. Alors je leur ai demandé « Mais comment il est fait, mon lait chocolaté ?» Moi, je croyais que c'était du vrai chocolat. J'ai découvert que c'était juste une poudre cacaotée. Mais grand drame de ma vie, hein. Désillusion totale. Mais aussi, émerveillement intense. J'avais découvert l'agroalimentaire. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous présenter ma dominante, où on comprend comment est fabriquée la nourriture qu'on mange tous les jours. Dans ma dominante, il y a tellement de choses cool que j'aurais bien du mal à toutes vous les lister. Mais pour commencer, on fait beaucoup de TP. Sur de véritables machines industrielles. On fait aussi énormément de visites d'usines, de quoi nous rapprocher des entreprises. Et on a même pu jouer les conducteurs de ligne sur de véritables machines industrielles. Et on a pu y manager des équipes, des vrais gens qu'on connaissait même pas. Ma dominante, c'est aussi celle qui compte le plus d'alternants. C'est-à-dire que si tu en as envie, tu peux faire la moitié de ton temps à l'école et l'autre moitié en entreprise avant de partir en stage de fin d'études. Après, pour ceux qui n'ont pas d'alternance, comme moi, les profs ont tout prévu, on a des projets en collaboration avec des industriels. Après, tu peux te demander « Oui, mais en cours, vous faites quoi ?» Nos cours, ils sont principalement assurés par des intervenants extérieurs qui exercent les métiers qu'on voudrait faire plus tard. Avec eux, on y aborde des sujets divers et variés comme la gestion de projet, le management, comment gérer des déchets dans une entreprise ou encore l'utilisation des brevets. Bon, après, je te vois tout de suite venir avec ton « Non, mais les calculs compliqués, j'aime pas ça, la thermodynamique, elle m'écafflue, j'en veux plus. » Paniquez pas, on n'a pas sorti une calculatrice de l'année. Notre dominante, elle est là pour nous apprendre comment se passent les procédés de base dans une entreprise agroalimentaire. Elle nous permet d'utiliser au mieux les outils les plus adaptés pour régler les problèmes qui se passent en production. Après, tu peux te demander, oui, mais après procédé, qu'est-ce qu'on fait? La dominante procédé, elle te prépare à devenir un responsable de production ou alors à gérer des projets industriels. Mais aussi et surtout, elle te permet d'avoir l'opportunité d'évoluer vers différents secteurs d'une entreprise agroalimentaire. C'est-à-dire que si tu as fait procédé, rien ne t'empêche de faire qualité ou R&D. C'est totalement logique. Comment tu veux gérer correctement ton secteur si tu ne sais même pas comment ton produit est fabriqué? Il y a donc des liens très étroits entre les différents secteurs d'une entreprise agroalimentaire et la production est au cœur de tout ça. Donc si tu aimes les machines et les hommes et que tu as envie d'évoluer rapidement, bah, je te souhaite la bienvenue dans ma spé. Merci. Non.